Sera venu l'esprit de vérité
Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Jean chapitre 16, verset 13. Il y a un pilote de pensée de l'écriture, nous allons lire pour une faire bonne gestion du temps. Nous allons pas lire. Une église conduite par le Saint-Esprit. Une église conduite par le Saint-Esprit. Dimanche dernier, c'était l'ascension. Nous avions prêché, nous avions parlé sur la montée de Jésus au ciel. Jésus, notre ami intime, bon ami, bon compagnon, bon conseiller, notre guérisseur. Nous sommes toujours contents pour Jésus rester bon côté de nous sur terre. Ça. Pour nous faire route ensemble. De temps à autre, il passe la caisse là, il passe la caisse là, il passe la caisse là. Ça t'a bien pas vrai? Nous sommes contents. Alors que le moment est arrivé pour te séparer de nous, séparer des disciples. La séparation avec un ami intime, il est toujours créé problème. Il est toujours mettre tristesse dans le cœur. Il est toujours pour tes paniques. Mais pour autant, pour la séparation, nous, avec Jésus, ça a été de la joie. Ça a été de la joie parce que Jésus qui est monté au ciel, il portait pour nous un pile avantage. Et il y avait trois grands avantages que Jésus lui-même, à la montée, Jésus était porté pour nous-mêmes, comme petit ici-bas. D'abord, la montée de Jésus au ciel fait que maintenant au ciel, nous avons un avocat. Il y a un avocat qui est là pour plaider pour nous, pour plaider cause nous. Il y a un avocat qui est là pour intercéder devant le trône de Dieu en notre faveur. C'est le premier avantage. Ça, c'est l'avantage de tout chrétien. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, qui reconnaît qu'autrefois nous étions perdus, mais avec la venue du Saint-Esprit de Jésus, nous avons la vie. Et à chaque fois que nous tombons, nous avons un avocat ça, pour parler pour nous devant papa. C'est avantage numéro un. Et là, nous connaissons dans le ciel, là, nous avons qu'à parler pour nous devant papa. Ah, mon cher, c'est vrai que Christ, bonhomme, il nous sépare avec nous, mais nous devons faire cœur nous content. Deuxième avantage, c'est que la montée de Jésus au ciel permet qu'à ce qu'au ciel, nous avons notre gage. Notre gage est au ciel. Quand nous au ciel. Car ça veut dire que nous avons garanti également nous tout demain si Dieu fait. Comme papa bon Dieu, comme Jésus-Christ lui promet ça à nous. Nous avons place, nous avons bon côté, papa bon Dieu dans le ciel là. Et avec Jésus-Christ, nous pourrons marcher dans l'éternité bienheureuse. Car Christ va retourner venir chercher nous. Elle est arrivée, m'a va retourner venir chercher nous. N'a fait route avec moi. Côté va hier, c'est là nous va et tout. Présence Jésus au ciel fait que nous avons garanti que demain se devait. Un jour, nous avons pour nous aller dans le ciel, bon côté, papa bon Dieu. Notre gage est au ciel. Avantage numéro 3, c'est que la montée de Jésus au ciel permet à ce que nous avons notre gage ici-bas. Jésus-Christ allait, il n'a pas quitté nos orphelins. Avant de monter, il a fait promesse, ça, il a dit qu'il a pour aller. La voyez pour nous un consolateur. L'ensemble vide n'existait pas ici-bas. Jésus-Christ remplit vide là. Les voyez pour nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est une garantie que nous sommes sauvés et demain nous pourrons aller en haut dans le ciel là. Et les plus bons, et Jésus-Christ a dit ça, les avantageux pour nous, pour que Jésus-Christ allait. Dans ce ciel-là. Il est avantageux pour nous. Je viens de comprendre ça parce que là, Jésus était là. Alors, nous connaissons que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu à la fois. Jésus-Christ, en tant qu'homme, il n'est pas capable d'être présent dans tout lien en même temps. Lorsqu'il est à Jérusalem, il n'est pas capable d'aller à Capernaum en même temps.
Si vous êtes côté, vous avez besoin de vous, c'est soit déplacer, venir côté Jésus-Christ, ou bien Jésus-Christ déplacer, aller la caillou. Nous sommes dit, ça arrivé, mais c'est Damio qui a fait foyer, mourir. Comment vous encore, madame, yo, Lazare, nous connaissons bien, mieux passé, moi. Mat avec moi qui vient Lazare, foyer, mourir. Or, Jésus-Christ pas présent. Au point que le Jésus-Christ vient dans la caillou, il a dit, maître, si vous êtes là, fin vite comprendre déclaration que Jésus-Christ fait qui dit il est avantageux pour nous que mal. Parce que l'elle allait lui voyait le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu lui fait travail que Jésus physiquement pas capable de faire ici bas parce que le Saint-Esprit de Dieu présent dans tous les lieux en même temps. Quelle garantie? Je me pose une question avant de commencer le message aujourd'hui. Est-ce que vous avez cet esprit de Dieu dans la vie? Est-ce que vous avez un gage ça? Une église conduite par le Saint-Esprit. Frère Samuel, lorsque nous lisons dans la Bible, je ne sais pas si vous lisez la Bible. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous étudiez la Bible? Avant de me répondre. Ou même quand vous suivez, quand vous écoutez, quand vous me posez une question, est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous étudiez la Bible? Je ne sais pas si pas venir dans l'étude biblique. Donc, on a une réalité ici, aux États-Unis, et même l'autre a fait foncer des bagailles. Retenu par les activités de travail, on vient à pêcher. Même qu'on désire brûlant pour que pendant le passage ici, pour insister à lire la Bible, à étudier la Bible. Et présenter à vous des séances de formation qui ont un rapport avec la Bible, avec le ministère ou surtout le travail d'évangélisation. C'est le bagage, je ne vais même pas planifier une formation et pour me faire un peu de temps. L'église a chargé. Nous avons passé un feuillet pour nous demander est-ce que nous sommes tous d'accord et puis nous planifions un jour. Et puis nous venons étudier la Bible. Parce qu'on n'a pas temps, oui. Nous mettons une journée, un deux jours, nous rire, nous divertir, nous manger, nous étudier la Bible. Quand même, on va sortir avec quelque chose. Lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous découvrons dans la Bible gagner plusieurs dispensations. Qu'est-ce que la dispensation est? Dispensation, c'est un système d'ordre. Dispensation, c'est un système gouvernemental. C'est un système de l'organisation, un système organisation d'une nation, nous sommes capables de dire, c'est un système de la communauté qui spécialement existait pour une période très particulière. C'est ça la dispensation. Et dans la Bible, nous sommes capables d'essayer quelques dispensations que la Bible fait mention de yo. Il y a d'abord la dispensation de l'innocence après la création. Bon Dieu t'a créé, après il t'a fini créer toute bagarre, il t'a créé l'homme. L'homme t'a fait vivre dans une vie d'innocence. Ne pas qu'il en détaille ça au Genèse 1 verset 28 à 30, Genèse 2 verset 15 à 17. Deuxième dispensation, nous voulons faire allusion à lui, c'est la dispensation de la conscience. Après l'innocence, après le péché, eh bien bon, je me suis d'amour ouvert. Je viens de rendre compte que je suis tout lié. La dispensation de la conscience. Il y a également la dispensation du gouvernement humain. Côté que l'homme tape diriger, l'homme tape vivant, l'homme tape fait tout ça qui est tapé fait. Et l'homme était plongé également dans le péché, a fait tout ça qui mal, au point que Papa Bon Dieu pour détruire la vie sur la terre. Lorsqu'il était relé Noé pour capable construire un l'arche, et Papa Bon Dieu pour détruire la vie sur la terre, et que seulement 8 mondes qui t'a pour le sauver, la famille de l'eau. Quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse. Qui commençait avec un appel
d'Abraham, dans Genèse chapitre 12. Il y a également la dispensation de la loi avec Moïse, la dispensation de la grâce qui commençait avec la nouvelle alliance par le sang de Jésus. La Bible parle également de la dispensation du royaume millénaire qui commencera avec le retour de Jésus. Lorsque Jésus-Christ va retourner et venir ici-bas pour le capable de diriger pour une période de 1000 ans. Mais en résumé de toute dispensation, ça y est, beaucoup de pas moins résumé cette dispensation en trois grandes. Il n'est capable de trois meilleures dispensations qui existaient dans la Bible. Trois grandes dispensations. Dispensation numéro un, comme grande et meilleure dispensation, c'est la dispensation du Père. La dispensation du Père qui trouvait-il dans l'Ancien Testament. Dispensation, ça, c'est ici, nous sommes capables de c'est Papa Bon Dieu qui révèle lui et qui agit directement à travers l'homme. Et cette dispensation, la présence de Dieu dans la Bible, dit-elle, Dieu est avec nous. Dieu agit directement, sans intermédiaire. Dieu parle directement à l'homme. Mais cependant, bon Dieu a toujours été loin les hommes à cause de péché les hommes et à cause de grandeur redoutable les hommes. Bon Dieu était loin. Et dispensation ça, découvrir Genèse à Malachie. Dieu pour nous. Dispensation numéro 1, meilleure dispensation. Dispensation numéro 2, c'est la dispensation du Fils. Celle des évangiles qui commençait de Matthieu, revenant à des apôtres, chapitre 1er, verset 9. C'est Papa Bon Dieu qui t'étendait le cri de désespoir de ses enfants. L'état état de l'humanité perdue, l'humanité déchue, lui manifeste amour, lui voyait petit, lui Jésus-Christ, vine point forme les hommes, vini ici-bas, lui point naissance. Emmanuel, Dieu avec nous. Première dispensation, nous tenons Dieu pour nous, la dispensation du Père, la dispensation du Fils de Jésus-Christ, c'est Dieu avec nous. Deuxième dispensation. Et la troisième, quand Jésus-Christ finit, lui agir, lui fait miracle, lui fait un paquet de bagailles, lui mourir, lui souffrir, lui mourir, lui monter dans le ciel, lui faire nos promesses, ainsi de suite. Troisième grande dispensation, meilleure dispensation, c'est la dispensation du Saint-Esprit. La troisième dispensation, cette troisième dispensation, elle commençait dans les Actes, chapitre 2. C'est Dieu en nous. Dieu en nous. En résumé, première dispensation, c'est Dieu pour nous. Deuxième dispensation, Dieu avec nous. Troisième dispensation, Dieu en nous. Nous voyons maintenant la venue du Saint-Esprit. Et nous voyons également la relation qui existait entre le Saint-Esprit, la nouvelle création, homme nouveau. Nous voyons également la relation qui existait entre le Saint-Esprit, Jésus-Christ, la Bible, bon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire l'Église, le corps de Christ, il était sous la tutelle du Saint-Esprit. Est-ce pourquoi matin, nous venons pour nous avec ce sujet, ça, une Église conduite par le Saint-Esprit. Je vais relater pour vous quelques attitudes. C'est pour vous maintenant, il y a une grande lutte pour prendre qui message et pour me prêcher dans juste ça. Mais sachez en pile. Là, dans l'Acte des Apôtres et chapitre 1er, verset 9, jusqu'à Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 46. Alors, je suis arrivé à verset 47, au paquet de messages. Il y a toute une série où tu vas approcher. Je me dis, ok, je vais me focus, attention, sur le comportement, attitude de l'Église qui a conduit, qui a mené par le Saint-Esprit. Attitude moi en tant que membre de l'Église là, attitude pas en tant que membre de l'Église là, attitude, comportement de l'Église qui a pu mener, qui a pu conduire, qui a pu vivre sous la tutelle du Saint-Esprit. D'abord,
Premièrement, une église conduite par le Saint-Esprit, laquelle église accorde toujours la première place à celui qui le conduit. Une église conduite par le Saint-Esprit, elle accorde toujours la première place à celui qui le conduit. Est-ce qu'il est possible pour qu'on amène et vous poussez par lui qui devant? Est-ce possible? Non, c'est absurde. Nous sommes chez eux, nous avons conduit un aveugle. Donc, aveugle, ça va très bien, Manous. Et puis, je suis passé dans un fossé. J'étais au Cap Haïtien, on a une route là casée, la pute est fin tombée, il y a de l'eau dans la route là. Par le fait que je suis conduit aveugle, je prends précaution pour rien de mal pas arriver avec là. Pour pied, pas mouiller, pour ne pas tomber, et puis me dit attention, oui, nous ne pouvons pas traverser et y a un côté qui gonti de l'eau. Vous comprenez ça, monsieur, répond moi. Monsieur dit, ouais. Il dit, moi, hein. C'est pas que je me délague mes nègres là, pour me retourner là, quand même. Si moi, nous sommes dans le service, nous connaissons avec là, m'a mené, moi, je dis, voilà, il y a un fossé, attention, ou répond moi, ou ouais. C'est pas que c'est vrai, non? Li connaît l'existence fausse. Pour ça, c'est parce que li passe dans la route là chaque jour. Et parfois, l'expérience nous fait que nous ne pouvons pas laisser le Saint-Esprit conduire nous sous prétexte que nous connaissons côté nous aller déjà. Si le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui-même qui a conduit ou faut ou toujours accorder la première place à cela qui a conduit nous, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, Frère Max, c'est cela qui doit régner sur le trône de notre vie, sur le trône de notre cœur. Car alors que moi-même, ensemble avec vous, n'a préoccupé nous de royaume, papa, bon Dieu, lui-même en retour, là-bas, nous, tout ça nous besoin. Est-ce pourquoi Jésus-Christ pourrait faire une déclaration dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Après ça, toute l'autre bagaille que nous cherchons, il va venir comme des guides. Parfois, nous mettons le Saint-Esprit de Dieu à côté. Nous mettons le royaume de Dieu à côté. Nous mettons le travail, mon Dieu, à côté. Nous cherchons des guides. Est-ce pourquoi nous mal pour nous trouver lui? Parce que nous pas arrangé. Nous désarrangeons l'ordre des choses. La parole de Dieu dit le royaume et la justice de Dieu. First. Et n'importe qui qui a conduit par le Saint-Esprit, il faut que vous connaissez que ce n'est pas moi-même avant. Ce n'est pas volonté pam avant. Ce n'est pas choix pam d'abord. Mais c'est le choix de celui qui me conduit. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont vivement encouragés à chercher le royaume et la justice de Dieu. Vivement encouragé à faire la promotion pour le travail de Dieu. Faire la promotion pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'on fait promotion pour le royaume, papa, bon Dieu? Dans l'attitude ou, dans le comportement ou, dans la parole ou, dans l'action ou, est-ce que ça a révélé que ou, c'est le monde qui a fait promotion pour le royaume de Dieu? Est-ce qu'on conduit par le Saint-Esprit de Dieu? Si on conduit par le Saint-Esprit, eh bien, on va faire promotion. Toute attitude, toute action, tout ça, on va faire. Si on ne va pas bon Dieu, on va mettre en valeur. On va quitter ou dépendre complètement du Saint-Esprit de Dieu. Parfois, la parole est facile pour venir dans la bouche nous. Surtout, on a chanté. C'est facile, il faut de l'eau à boire. Mais dans la pratique, est-ce qu'on conduit par le Saint-Esprit de Dieu? Et action va révéler ça. Attitude va révéler ça. Parole ou yo va révéler ça. Décision yo, yo va révéler ça. L'Église doit faire la promotion pour le travail de Dieu. Faire la promotion pour le royaume de Dieu. Faire la promotion pour le travail d'évangélisation
dans tous les territoires du monde. Parce que Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'ennemi serait la vie, nous, attitude, nous, comportement, nous, à l'aune de la parole de Dieu. Je me demande, est-ce que chaque monde va dire, ah, nous, très loin de la réalité, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Est-ce que j'aime choisir ou j'aime ben, tête ou comme témoin pour parler pour Jésus-Christ? Vous serez mes témoins tout partout. Dans le travail là, dans la famille, dans le quartier, dans le voyage là, dans le marché, tout partout, vous serez mes témoins. Si là qu'il est conduit par le Saint-Esprit, c'est un témoin pour Jésus-Christ. Il peut être capable de parler pour Jésus-Christ tout partout quand il passe. Est-ce que j'aime parler pour nous ça? Est-ce que j'aime parler pour nous ça? Des guides, à force de chercher des guides, nous n'avons pas le temps pour nous parler pour Jésus-Christ. Christ dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Fais promotion pour le travail de Dieu. Fais promotion pour le royaume de Dieu. Vous recevrez une puissance. Non, grand verset, ça, à côté de Jésus-Christ, tu parlé avec les disciples. Et bien, c'est ça qui revient à nous tous. Moi, découvre la règle des trois P. P, 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 P. Et bien, P. P, P, lettre P. La règle de 3 P. D'abord, la puissance. Avoir la puissance détient la puissance de Dieu. Christ dit, vous recevrez une puissance. Christ, ce n'est pas mon cap fort promesse, pour ne pas kimber promesse li. Promesse li certaine. Il te promet nous le Saint-Esprit. Est-ce qu'elle pas bon le Saint-Esprit? Oui, nous le Saint-Esprit. Ça veut dire, nous avons la puissance. La puissance pour agir, la puissance pour déplacer, la puissance pour parler, la puissance pour faire quel que soit bagaille nous voulons faire. Nous avons la puissance. Et ce n'est pas n'importe puissance, c'est la meilleure puissance que Christ bat nous, le Saint-Esprit. Qui est capable d'aider nous pour nous faire un job témoin, pour nous témoigner pour Jésus-Christ. Nous avons puissance là. Qui ça nous manque? Mais dis-moi qui ça nous manque? Qui fait nous capable de témoigner pour Jésus-Christ? Peine de toi, c'est notre prison, notre ponctuel. Parce que Christ nous parle tout partout. Faut que nous présents, tout partout, quand on passe. Côté Jésus-Christ, maintenant, faut faire acte de présence dans nos localités, dans nos familles, dans nos travail. Tout partout, quand on passe. Qui n'est pas fait qui contourne, c'est pour ce statut-là. Parce qu'on ne peut pas agir de la façon que Jésus-Christ m'a donné pour agir. Il faut être présent. Il faut être ponctuel pour montrer présence, pour montrer ponctualité. Il faut que le message Jésus-Christ a toujours dans la bouche pour être capable de parler pour lui. Pénurois, il faut partager la parole. La parole. En tant que témoin, ce n'est pas parole. Parole. Vous voyez. Mais Christ a approvisionné où? Qui ça ou même? Vous voyez. Pour lui-même. Là, posez une question, ça, est-ce que vous êtes un témoin pour Jésus-Christ? Sinon, vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu lui occupe la première place dans la vie? Je veux dire, c'est vrai, c'est la Pentecôte. Oh, nous sommes aux aguets. Nous chantons tout le cantique. Tout le cantique est vraiment inspiré, vraiment belle. En quelque sorte, nous dans l'autre monde. La façon que nous avons adoré, c'est vraiment extra. Extraordinaire. Est-ce que nous même? Est-ce que dans la vie? C'est dans la vie que c'est lui qui conduit. C'est dans la vie où c'est une décision pâle d'abord qui est faite. Hein? C'est dans la vie où ça a l'air. C'est ça qui fait. Une église conduite par le Saint-Esprit apporte toujours la première place à celui qui est conduit. Une église conduite par le Saint-Esprit connaît bien le plan de Dieu
connaît bien, elle connaît bien le plan de Dieu. Êtes-vous membre de l'Église? Peut-être que c'est absurde pour ne pas poser une telle question. Chaque monde qui est là détient un cadre de persévérance. Nous nous inscrivons dans l'anal de l'Église là. Et nous avons demandé si nous sommes membres de l'Église. Non, nous n'avons pas demandé si nous sommes membres de l'Église. L'Église qui est pasteur ou dirigeant. Êtes-vous membre de l'Église de Jésus-Christ? L'Église universelle. Est-ce que nous inscrit dans l'anal de l'Église Jésus-Christ? Si nous inscrit dans l'anal de l'Église Jésus-Christ, où Dieu connaît plein bon Dieu gagné. Donc, on est plein, bon Dieu gagné. Dans Jean chapitre 16, verset 13, il y a une lecture que nous devons lire. C'est Jésus-Christ qui dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Les choses inscrites dans le plan de Dieu. C'est cet esprit de Dieu qui a révélé ça, qui a annoncé ça, bagaille qui est pour venir, en d'autres termes, qui a révélé le grand plan de Dieu pour l'humanité. Est-ce qu'on connaît plein ça? Est-ce qu'on connaît plein bon Dieu pour la vie ou personnellement? Est-ce qu'on connaît plein bon Dieu pour l'église? Est-ce qu'on connaît plein que bon Dieu pour l'humanité? Est-ce que vous avez pensé ça? Cet esprit de Dieu, s'il est dans la vie, il faut que lui révèle tout le qui est pour finir. Il ne va pas cacher rien. Si vous ne trouvez pas révélation, ça, ah, Jésus qui n'a pas fait défaut. Cet esprit de Dieu n'a pas fait défaut. Si vous ne pas gagner révélation, ça, posez tête aux questions. Questionnez tête où. Côté cet esprit de Dieu, c'est gel la même. Est-ce qu'il y a dans la vie? Est-ce qu'on connaît plein bon Dieu? Si vous ne connaissez pas, l'important pour capable commencer par questionner tête ou interroger tête ou. Et interroger bon Dieu même à ce sujet. Et bon Dieu va parler ensemble avec vous-même. Frère Samuel, bon Dieu a un plan pour nous toutes. Et il a un plan pour l'église en général. Il a un plan. Pour moi-même, et lui qui a parlé avec nous. Il y a un plan pour vous-même. Et il y a un plan pour l'église là, en général. C'est vous-même qui devez parler avec mon Dieu. Pour qu'à travers cet esprit de Dieu, il est capable de révéler au plan ça. Dans Jérémie, chapitre 1er, verset 5, le prophète en Jérémie qui écrit pour le dire. Alors, c'est Jésus-Christ qui parlait par la bouche. Papa mon Dieu qui parlait par la bouche de Jérémie pour le dire. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Avant même, Jérémie, t'es fait. Hein? Avant même, maman, papa, Jérémie, qu'on y a ta poil de naissance hein? À Jérémie. Papa, mon Dieu, t'es consacré, Jérémie. Bon, mes amis. Il n'y a pas quoi croiser, non? Il n'y a pas quoi rencontrer ensemble, non? Et puis, plein la vie, Jérémie. Est-ce qu'on te connaît? Moi-même qui kebe mi quoi, ma terre. Moi, pote quoi même fait, non? Papa, bon Dieu, te connaît. Non, jour ça. Ma bge pour me porter à nous le message de la parole de Dieu. Avant la naissance hein, de Jérémie. C'est seul hein, le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de révéler le plan de Dieu dans la vie, non? Bien avant la naissance de Jérémie, Dieu avait prévu qu'il serait prophète. Et de même que mon Dieu a un plan pour Jérémie, il a un plan pour son église. Et c'est seul cet esprit de Dieu qui est capable de révéler plan ça à nous-mêmes. Est-ce qu'on croit que mon Dieu a un plan pour vous-même personnellement? Est-ce qu'on croit que mon Dieu a un plan pour vous-même personnellement? Est-ce qu'on croit que mon Dieu a un plan pour l'église?
et qui t'aime dur en vérité plan ça personne monde pas capable de vivre là plan que bon Dieu gagne pour moi plan que bon Dieu gagne pour vous plan que bon Dieu gagne pour l'église méchant pas capable de vivre là famille pas capable de vivre là faut frère dans l'église faut sœur dans l'église en vérité yo pas capable de vivre le plan que bon Dieu gagne pour moi même. C'est ça le Saint-Esprit de Dieu révélé matin. Moi, j'ai un plan, papa, mon Dieu. Et personne n'est pas capable de vivre plan. Il y a un ingénieur qui connaît rédiger un plan. Il y a un architecte qui connaît rédiger un plan. Et puis, il y a l'autre monde qui vient faire correction là-dedans. Il a changé ça complètement. Il a mis en forme. Il a fait la forme paille. Il a retiré les piliers. Yo retire poteau, yo retire, yo retire, yo déraza à manger l'ordre des choses. Mais plein bon Dieu qui est pour moi même là. Plein bon Dieu qui est pour moi là. Bon, ça qui est plus belle là, c'est moins révéler plein à lui, il va révéler là. Et même là, il est capable de révéler à vous, ou pas de possibilité, ou pas capable de dévier, ou pas capable de modifier. Personne n'est pas capable de pouvoir. Satan n'est pas capable de défier. Ça bon Dieu veut bien. Au nom de Jésus de Nazareth, m'a ça quand même. Côté bon Dieu veut m'arriver. Au nom de Jésus de Nazareth, m'a privé quand même. Ça bon Dieu veut faire pour l'église là. Au nom de Jésus de Nazareth, la faire quand même. Nous n'avons plan, bon Dieu. C'est ça le Saint-Esprit de Dieu révélé à nous. Nous n'avons plan, mon Dieu. Vous c'est ouvrir Dieu pour capable lire plan. Pour capable comprendre plan. Si il y a quelque chose ou pas comprendre plan, descendre sur genoux, parler avec mon Dieu. Pour capable parler, pour capable exprimer. C'est lui qui fait. Si vous pas capable interpréter plan, si vous pas capable mieux interpréter plan, parler avec cet esprit de Dieu pour capable corriger, pour capable instruire, l'ouvrir yeux, pour capable mieux comprendre plan. Parce que vous pouvez contribuer dans l'exécution plan. Vous pouvez comprendre ça? Vous pouvez contribuer dans l'exécution plan. Pas dire papa bon Dieu faire plan ou attendre pour que bon Dieu seulement. Non! Attention! Vous contribuez, oui. Et ça ne peut pas retirer un lien de la toute-puissance de Dieu. De tracer plein dans la vie, mais vous avez une contribution. Vous avez dit ça déjà. Lorsqu'un ingénieur yo tracé un plan un bâtiment quelconque, est-ce que c'est un ingénieur là qui vient pointer monter bloc, qui vient monter sol là, qui vient monter mur, qui fait crépissage, qui fait toiture? Nous j'aime un ingénieur qui aime tout ça. Eh, c'est nous ça? Non. Par exemple, une construction un building, ou après intervention maçon yo, ou après intervention charpente yo, ou après intervention toute bosse yo, toute excision. Ça veut dire plan ingénieur là lui-même, l'itracelle, mais c'est chaque main de vieux, chaque ouvrier qui pourra le venir pour capable exécuter yon bagay nan plan ça. Et question que vous posez au matin, si vous avez plan bon Dieu, si plan bon Dieu dans la vie, vous avez plan bon Dieu pour vous-même, qui action vous posez pour rendre plan ça l'exécuter? Vous dites quoi ça? En d'autres termes, est-ce que l'action que vous posez chaque jour, vous posez à l'aune du plan de Dieu dans la vie? Ce n'est pas extraordinaire, Frère Maxime. Lorsque vous avez le plan de Dieu dans la vie, une fois dans le plan de Dieu, je plan mon Dieu, je connais qui côté bon Dieu pour aller avec moi, qui ça bon Dieu voulait pour moi. Donc, il faut que je prenne des précautions. Tout ça m'a fait à l'aune du plan de Dieu. Je consulte plan. Dans l'engagement, je consulte plan. Dans le comportement, je consulte plan. Dans tout ça m'a fait, tout côté pour aller, je consulte le plan de Dieu. Et parfois, nous devions de plan. À force que nous devions de plan, quand il a construit, mais il m'a construit. Bouche quand il a accroché, nous mettons galerie à derrière ou bien à côté. Façade quand il a, qui t'a de belle, qui t'a de attrayant, mais nous désarrangeons l'ordre des choses. C'est comme si nous prenons base quand il a, nous mettons en l'air, nous prenons toiture, nous mettons en bas. Toutefois,
Ça va faire pour faire li avec la compréhension du plan, selon Jean bon Dieu tracé là, et bien on va défier. Et construction ça pour craser quand même. Il va pas aller loin. Il va pas aller loin. Fondation n'est pas solide, bon fondation, il va en bas, c'est en l'air lié. Bon, on caille tête en bas, voilà, ça passe. N'importe qui vent. N'importe qui vent. Le plan de Dieu. L'église qui conduit par le plan, par le Saint-Esprit. Il connaît le plan, mon Dieu. Le plan, mon Dieu, dans la vie, pas nous. Si on bagaille qui est certain, nous devons agir à la manière du plan de Dieu. Dieu a un plan éternel qui comprend les objectifs et les activités de chaque personne sur la terre. Notre contribution dans le plan de Dieu. Donc, frère Maxime, nous devons offrir nous à mon Dieu comme un sacrifice vivant et quitter le Saint-Esprit de Dieu accompli plein mon Dieu dans la vie. Nous. Qui s'en fait pour rendre plein mon Dieu réalisable dans la vie? Qui s'en fait pour rendre plein mon Dieu réalisable dans la vie de l'Église? Questionner activité ou yo, questionner comportement ou attitude ou yo. Et mesurer à l'aune du plan de Dieu. Une église conduite par le Saint-Esprit accorde toujours la première place à celui qui le conduit. Une église conduite par le Saint-Esprit connaît bien le plan de Dieu. Une église conduite par le Saint-Esprit se soumet pour suivre le Saint-Esprit. Elle se soumet pour suivre le Saint-Esprit. En d'autres termes, elle vit dans la soumission totale. Elle vit dans la dépendance totale. Est-ce que nous dépendons du Saint-Esprit totalement? Est-ce que nous soumettons au Saint-Esprit pour lui capable de remplir nous afin que moi ensemble avec nous sommes capables de fortifier, nous capables de diriger, influencer dans chaque domaine de notre vie. Dans Jean 5, verset 30, il est écrit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, c'est Jésus-Christ qui a parlé, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Bon Dieu te reconnaître pour le soumettre en ma volonté, papa. Est-ce que vous-même vous soumettre en ma volonté cet esprit qui a conduit là? Est-ce que vous dépendez du Saint-Esprit de Dieu? Frère Samuel, qui t'aime Dieu? Nous ne sommes pas libres à faire ce que nous voulons. Nous ne sommes pas libres vraiment pour nous faire ça nous voulons. Nous ne sommes pas libres pour nous aller côté nous voulons. Nous ne sommes pas libres pour nous agir genre nous t'avons agir, genre nous sentons nous agir. Vous pensez que c'est parfois vivre avec trop de liberté? Nous ne sommes pas libres pour autant. Nous ne sommes pas libres. Nous dépendons de une force. Hein? Et la force que nous dépendons de lui, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ou pas libre. Ou pas libre. Parfois, tellement senti ou libre, ou vivre dans une vie de libertinage. Ou pas libre, Maxime. Ou pas libre. Ou pas libre. Nous dépendons du Saint-Esprit de Dieu. Et si nous dépendons du Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui nous conduit, nous. Ou pas libre. Même Jésus-Christ, oui, lui dit, il n'est pas libre pour faire ça, le plaît. Il n'est pas libre pour l'agir, il n'est pas de volonté. Tout ça l'a fait d'après la volonté du Père. Et puis, où pour qu'on nous libre? Quelle liberté, hein? Ou pas libre? Nous pas libre. Nous devons dépendre totalement, pas partiellement, non, totalement du Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit. Nous devons soumettre entièrement à lui-même. Galates, chapitre 5, verset 16, il est écrit, passage côté pasteur Hérode, ce jour-ci a prêché,
Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? C'est la chair qui nous conduit. C'est la chair qui nous conduit. Parfois, me suivre avec tristesse, attitude, comportement. Moun qui dit, il y a cet esprit de Dieu dans la vie. Parfois, je gagne un bouleversement en dedans moi. Je gagne une tristesse profonde. Si tu es dans l'église, et si je gagne une place, moi je dis bon ça bien. Si je gagne une place, je ne peux pas faire ça ou faire la dedans. Si je gagne une institution, je ne peux pas faire ça ou faire la dedans. L'église de Jésus-Christ. Ou qu'a fait sans vouloir d'un blesson pas, mais de l'église de Jésus-Christ, prends précaution. Et si il bat, alors blesson pas, c'est l'image de l'église de Jésus-Christ. Attention à comportement, attention à attitude. C'est moi qui a dit. Ça pas trop dérangé, fin dérangé, non? Lorsque c'est monde dehors, qu'a fait ça ou voulez, dit ça au pito, à l'écoute ou voulez. Mais là, et si nous comprenons mieux, et si nous quittons cet esprit de Dieu agir à travers nous, est-ce qu'on te connaît? Ou on va arriver bien loin? Et on t'a privé loin déjà. Mais parfois, on retarde dans la course là. On retarde dans la route là. Pour qui ça? C'est parce qu'on quitte cet esprit de Dieu d'ailleurs. Ou pas dépendre de cet esprit de Dieu. Sans vouloir, c'est lui qui fait. Sans décider, c'est lui qui fait. C'est lui qui dit. Oh! Mais l'église a pour vous? Allez, vous connaissez vous là. Allez. Nous en retard. Et à force que vous cause nous en retard, vous cause l'autre monde à souffrir. En nous dépendant de cet esprit. Nous dépendons de cet esprit. Nous pouvons faire route là ensemble. Nous pouvons agir en communion fraternelle. Nous pouvons gagner un seul objectif. L'église là pour être belle. Dans les yeux, mon Dieu, et dans les yeux, tout le monde qui est là, c'est lorsque nous dépendons de cet esprit. Nous trouvons comment l'église a parlé. Après, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit de Dieu qui finit descendre, quelques temps plus tard, Pierre pour le prêcher. Et qui ce message Pierre pour dire, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Dans verset 42, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta environ 3000 âmes. Comment te comporter? En aller, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du Père, du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Parce qu'ils étaient dépendants de cet esprit de Dieu. Ils t'ont vécu ensemble. Pas de gagner égoïsme dans mitan yo. Nous te prêts, nous te capable de partager bien yo, mettre bien yo en commun. Ça pas me dire rien non. Si on a gagné un frère, un problème là, malais moi vendre un champ, yon bœuf, yon maison, yon caille, moi porter l'argent vini au service de l'église. Je dis à c'est avec, vous savez, avec tristesse pour nous retirer 10 dollars dans mes chrétiens. Moun ka conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Ils n'ont pas contribué pour le travail de Dieu, voire dans la vie en frère, dans la vie en sœur. Et pour conduire, sorry, par le Saint-Esprit de Dieu. Ils vivent ensemble. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient.
partager le produit entre tous selon les besoins de chacun. À la reproche. Qui t'a va gagner aujourd'hui? Imaginez vous finissez un frère, un soeur qui est dans une situation difficile et puis vous avez une offrande ou vendez un bagage. Un propriété ou vendez ou mettez au service des frères. Et puis peut-être demain, frère, sa soeur, ça y a joué en façon. Vous ne pouvez pas reprocher? Vous ne pouvez pas reprocher? Peut-être vous ne pouvez pas faire ça, mais vous ne pouvez pas faire ça. Peut-être vous ne pouvez pas faire ça. Verset 46, ils étaient chaque jour assidus ensemble au temple. Ils rompaient leur pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Chaque jour. Après en formation. Chaque jour. Chaque jour, ensemble. C'est là qui dépend de cet esprit de Dieu. Chaque jour, ensemble. Alors que moi-même, ensemble avec vous, 2 heures de temps, dans une journée, nous ne pouvons pas réunir ensemble. Et puis, nous n'apprenons pas de cet esprit de Dieu. Nous dépendons de cet esprit de Dieu. Les petits de foi, chaque jour, il était ensemble, assidu au temple, à recevoir formation, à manger ensemble, à rire ensemble. Je dis à moi ensemble avec vous, 2 heures dans une journée. Là, on voulait. Ce n'est pas moi pour qui dit personne ne pas gain le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Ce n'est pas moi pour qui dit ou pas dépendre du Saint-Esprit de Dieu. Mais cependant, le texte me dit, l'Église primitive, après la descente du Saint-Esprit de Dieu, me était fait non seul et était d'accord réunis dans le temple. Je ne demande pas aujourd'hui à vous quitter tout travail pour venir dans le temple, parce que moi, je me critique ça. Je suis dans le temple lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, moi, je ne suis pas d'accord. Mais 2 heures pour étudier la parole de Dieu, pour qu'elle soit capable d'enraciner dans la parole de Dieu. C'est un deal chaque jour. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout ce qu'il fait. Et puis, dans la dernière partie, dans le verset, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Où est qui résulte ça bail? Chaque jour, le verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. En pile, on ne peut pas ajouter l'Église là. En pile, on ne peut pas venir l'Église là. Ou est-ce que vous avez des fois? Attention, si vous dépendez de cet esprit, si vous avez cet esprit de Dieu dans la vie, il faut qu'on dépende. Faut qu'on soumette à lui-même et puis suivre. En vérité, la vie de la puissance du Saint-Esprit n'est pas la vie voulue et recherchée par les chrétiens charnels. Non! Les chrétiens qui aiment le Saint-Esprit, ils ont réellement vivent uniquement pour plaire. Bon Dieu, pour plaire à cet esprit et ils n'ont pas fait barrer devant rien pour Dieu. Ils dépendent du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes un monde comme ça? Vivre dans la soumission au Saint-Esprit est un acte volontaire posé par les chrétiens sérieux. Non les chrétiens charnels. Non les chrétiens sérieux. C'est un acte volontaire. Ce n'est pas pressuré ou posturé. C'est vous-même dans la relation avec mon Dieu qui posez acte ça. Vivre dans la soumission au Saint-Esprit signifie vivre selon la parole de Dieu. Vivre selon la Bible. Est-ce que c'est la Bible qui boussole nous? Est-ce que c'est la Bible qui boussole nous? Et le chrétien qui est soumis au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il suivre la Bible. Il pense, j'ai la Bible, enseigne-le. Il parle, j'ai la Bible, enseigne-le. Il agit,
j'ai la Bible même, dit Ansel. Vivre dans la soumission au Saint-Esprit, c'est se laisser transformer par l'Évangile qui renouvelle notre entendement, notre vision de Dieu, notre vision de nous-mêmes et notre vision des autres. Acte 2, 41 à 47. Êtes-vous conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes conduit par le Saint-Esprit? Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est la fête des élus. C'est la fête des amis de Dieu, des amis de Jésus-Christ, les enfants de Dieu. C'est la fête des Silaïo qui gagne un avocat dans celle-là qui a plaidé pour eux. C'est la fête des Silaïo qui gagne un gage dans celle-là qui dit m'aller. Mal préparé en place pour nous. M'a retourné venir chercher nous. Et là, m'a pas retourné venir chercher nous, m'a venir pour nous. Côté m'vaillé. C'est là. Nous vaillé tout. C'est fait en nous. Nous avons engagé dans celle-là. Corps nous dans celle-là. Et nous avons espérance que demain se lever. Dans celle-là. La Pentecôte, c'est fait là qui gagne un gage sous terre. Garantie que nous gagnons sous terre. Nous pas au feu là. Et demain pas qu'à faire salver avec nous. Dieu pour nous, il n'est pas présent physiquement. Dieu avec nous, il n'est pas présent physiquement, mais nous avons Dieu en nous, de cet esprit. Satan pour être en distance. Je veux dire, c'est faites non. Faites non. Faites non. Est-ce qu'on dépend de cela qu'a conduit ou? Est-ce qu'on connaît plein qu'elle gagne pour l'église, li, plan qu'elle gagne pour vous-même. Est-ce que vous faites promotion pour le royaume de Dieu? Êtes-vous conduit par le Saint-Esprit de Dieu? Moi, encourager au vivement, ma Seigneur, pour capable continuellement accorder la première place à cela qu'a conduit, qui c'est le Saint-Esprit de Dieu. Moi, encourager au vivement pour capable lire la Bible et parler avec un bon Dieu, pour le révéler à vous-même à travers le Saint-Esprit, pour capable reconnaître en parlant bon Dieu gagne pour vous-même. Et reconnaître plein que bon Dieu gagne pour vous-même, personne n'est pas capable de dévier. Aucune puissance, aucune force n'est pas capable de dévier. Moi, pour jouer vivement, capable de soumettre continuellement au Saint-Esprit de Dieu. Non seulement soumettre à lui-même, mais suivre-le. Suivre-le. Il fait ça, non seulement pour aujourd'hui, jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse abondamment. Amen. Cette parole
commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière. Ooh.